friend now, and she loving it when we spin now. Salut à tous et bienvenue ici au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Salut David sous ce beau soleil, comment ça va? Ça va. Good morning. Welcome to a sunny day at the training center. We're here at 15 minutes of live training. Match day 12 in Ligue 1 tomorrow. Vous voyez derrière nous les joueurs du Paris Saint-Germain qui commencent à sortir. En effet, on va vivre ensemble le quart d'heure en live de l'entraînement des hommes de Christophe Galtier avant ce déplacement du côté d'Ajaccio pour cette 12e journée de Ligue 1. David, évidemment qu'on va faire un point sur le groupe, etc. On va aussi revenir sur les récentes performances des Parisiens, toujours invaincus, et surtout une belle victoire dans le Classique. Yeah, that's right. 16 matches unbeaten, another win in the Classique against Marseille. That was the last match, of course, in Liga. Now we go into this match in first place, 3 points clear at the top of the league, and going up against the 18th place team in the league. En effet, 3 points devant Lorient, 5 devant Lens et désormais 6 devant les rivaux marseillais. Cette belle victoire, eh bien, lors de la 11e journée de Ligue 1 au Parc des Princes, d'ailleurs dans une ambiance de feu, a permis au club de la capitale de prendre le large au sommet du championnat. David, maintenant, il faut continuer comme ça. That's right, you just have to continue this streak unbeaten, as we said, in all matches. And in fact, going into Ligue 1, so speaking of Ligue 1, unbeaten in the last 10 away Ligue 1 matches, 8 wins and 2 draws in that time, and keeping 4 clean sheets during it. En effet, le Paris Saint-Germain qui reste sur donc, eh bien, 10 déplacements en étant invaincu, mais en même temps invaincu, nous le sommes toutes compétitions confondues dans tous les matchs depuis le début de la saison. 16 matchs même disputés maintenant, David. 16 matchs, j'ai fait le calcul, trophée des champions, 11 journées de Ligue 1, 4 matchs de Ligue des champions. Les comptes sont bons et nous sommes invaincus pour l'instant. Et d'ailleurs, David, nous avons également 6 clean sheets sur nos 7 derniers déplacements. Yeah, il va falloir continuer comme ça également. Yeah, that's right. So what you just actually point out, that's a good stat as well. 6 out of the 7 clean sheets in the last matches. So I think it's another trend that the team will be looking to continue. As you can see, the players have made their way onto the pitch. What you have seen, hopefully a bit of good news for the team. We'll hear more from Christophe Galtier a bit later. On va regarder ça. Of course, yeah. We'll hear a bit later on from Galtier, but it does look like Kimpembe was back in training at least. So hopefully we'll see him out there. En effet, on va faire un petit point. Alors, on va regarder du coup qui est là. Alors déjà, vous voyez qui est Mbappé, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, les trois qui arrivent. Et donc, on jette un petit coup d'œil. Et Presnel Kimpembe, qui a fait son retour à l'entraînement collectif ce lundi, sera présent. Il est bien là, on le voit, tout à gauche. On le voit. Yeah, that's right. I see Il commence à courir, there. En effet. Yeah, perfect. Great. It's good news. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Team. Of course, for this match tomorrow, we do have 2 suspensions with Sergio Ramos and Neymar, both suspended for the match. En effet, Sergio Ramos, Neymar Junior, qui s'entraîne avec le reste de l'effectif, tous les deux seront suspendus pour ce match. Il n'y aura ni Nuno Mendes ni Danilo Pereira qui sont toujours du côté de l'infirmerie. Mais donc, la bonne nouvelle du jour, c'est qu'avec le retour du soleil parisien, Presco, notre Titi, lui aussi, fait son retour dans la capitale au sein du groupe parisien. That's right. From the last medical update, Nuno Mendes and Danilo Pereira are still out. And again, as I mentioned, Christophe Galtier will let us know who is in and out of the match a bit later on.
Et en effet, Neymar Junior donc, ne sera pas de la partie Ajaccio, mais on a quand même des belles cartouches hein, dans nos armes parisiennes. En effet, Kylian Mbappé, qui est deuxième meilleur buteur de Ligue 1 avec 8 buts, juste derrière Neymar Junior et ses 9 réalisations. Et enfin, Messi, meilleur passeur du championnat également avec 7 passes décisives, 5 buts en Ligue 1. Bref, il y a de quoi faire pour aller marquer des buts chez la pire attaque du championnat, Ajaccio. Et nous, on a la meilleure, David. Yeah, that's right. So the best attack in the league. Going to Ajaccio, most goals, most attempted shots, most passes completed versus the team that has the least goals, least attempted shots, and least passes completed. But heading into this match, of course, Neymar, Jonathan David are top of Liga with 9 goals, Mbappe there with 8, and then Messi and Neymar top of the assists with 7. Bon, avec David, on va vous laisser profiter de cette petite séance sous le soleil et on vous retrouve juste après pour débriefer tout ça, David. Yeah, that's right. We'll see you a bit later on. Thank you.
David, on resterait bien là, au soleil, à regarder les joueurs du Paris Saint-Germain s'entraîner, mais il est désormais temps de tourner les caméras et de mettre fin à la séance ouverte aux médias pour que Christophe Galtier puisse travailler tranquillement ce déplacement du côté d'Ajaccio. Yeah, that's right. That brings basically the end to this 15 minutes of live training. Good spirits in the training today. The sun has brought out the good mood, but also the form that the team is in. As we mentioned earlier, 16 matches unbeaten, top of the league, top of Group H in the Champions League. So things are going well at the moment. Again, hopefully tomorrow the team can continue this trend. En effet, il va falloir continuer. On reste sur 16 matchs sans défaite, 16 matchs invaincus. Il n'en reste plus que 6 avant le décompte de cette Coupe du Monde. 4 en Ligue 1, 2 en Ligue des Champions. Il va falloir aller tout chercher, le Paris Saint-Germain. Et en tête de son groupe H en Ligue des Champions et en tête du championnat, notamment après cette belle victoire lors du Classique. Et comme David le disait, c'est la bonne humeur qui règne ici. David, avant qu'on se laisse, petit point sur le groupe. Yeah. On a vu donc, on l'a dit, Nuno Mendes et donc Danilo Pereira, les deux Portugais qui restent du côté de l'infirmerie. La bonne nouvelle, c'est le retour de Presnel Kimpembe. That's right. The good news is Presnel Kimpembe is back in the training with the team, which is always good to see. He brings that spirit back with him as well. Two Portuguese players missing out through injury. Nuno Mendes and Danilo Pereira are still recovering. Enfin, vous n'avez peut-être pas vu Keylor Navas lors de la séance collective, mais il s'entraîne bien. Il est juste sur le terrain à côté. Il fait une petite session individuelle. Yeah, as well. Good to see Keylor Navas. He is training individually from the group just over there to our left side. And two players missing out through suspension tomorrow, Neymar Jr. and Sergio Ramos. Sergio Ramos, Neymar Jr. suspendu, mais on aura l'occasion de reparler du groupe. Pour ça, on vous donne rendez-vous avec le coach dans le studio de PSG Télé avant la conférence de presse. Rendez-vous pour ça à 13h sur tous les réseaux du Paris Saint-Germain. Yeah, we better see you there, 1 o'clock for that press conference.
with Christophe Gauthier ahead of that match tomorrow. À tout à l'heure. Ciao.